Yo les duistes, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile que vous m'avez demandé depuis longtemps. Pas forcément un deck profile Salamangrog, mais plutôt un deck profile budget. Je vous avais déjà fait un deck profile Orcus pour la somme de 50 euros. Ça vous avait énormément plu et c'est vraiment un commentaire qui revient régulièrement, le retour des deck profile budget. Aujourd'hui on se retrouve avec le deck Salamangrog. Sachez que Salamangrog n'est pas un deck que j'affectionne particulièrement, juste faut avouer quand même plusieurs choses. Déjà le deck a gagné championnat de France, championnat du monde, etc. Et surtout, le deck est consistant, le deck est puissant, le deck peut OTK, le deck peut contrôle, le deck a un excellent grind game. Et c'est pas un deck qui coûte très cher. La version que je vous présente aujourd'hui, en utilisant que des cartes françaises, on est autour des 80 euros. C'est 81 euros et 86 centimes, je crois, en prenant les codes card market. Si vous prenez les cartes les plus chères, seulement les plus chères, hein, et vous allez voir qu'il n'y en a pas beaucoup, en anglaise, on descend rapidement autour des 60-65 euros. On va pas se mentir, 80 euros dans Yu-Gi-Oh! Aujourd'hui, c'est vraiment pas grand-chose. C'est pour ça que je trouve ça vraiment bien de faire ce deck profile-là aujourd'hui, parce que j'ai été dans la situation où je recommençais Yu-Gi, j'avais envie d'aller en DC, mais j'avais pas envie de me faire éclater, très clairement, parce que déjà, c'est pas marrant d'aller en boutique et de se faire éclater par des decks méta, et ensuite bah, j'avais pas l'argent pour mettre un deck à 1000 euros ou j'en sais rien, je pouvais pas tout simplement. Et puis quand tu reprends le jeu, t'es pas capable tout de suite de mettre 1000 euros, très clairement, ou du moins ça existe peut-être, mais en tout cas c'était pas mon cas. Et clairement, un deck à l'époque, j'ai joué Cyber Slug grâce à Yuri, big up à toi si tu regardes cette vidéo, et c'est un deck qui me permettait de jouer. C'est un deck qui m'avait coûté genre 50-60 euros parce que j'avais déjà quelques cartes de côté, et ça me permettait de jouer et de gagner de temps en temps, et c'était cool, tu vois. Et là, vraiment, l'objectif de cette vidéo là, c'est le deck là. Cette version là, elle coûte 80 euros. Si vous l'achetez, que vous trouvez toutes les cartes, etc., elle va vous coûter 80 euros, mais vous pouvez l'améliorer, tu vois. Et l'idée, c'est tu mets 80 euros et tu continues à jouer, tu prends plaisir à jouer et tu ne dégoûtes pas de Yu-Gi-Oh! Bref, j'espère que le speech aura été assez rapide. Encore une fois, c'est un deck profile budget, donc il y a peut-être des choix qui sont à l'intérieur que vous allez pas forcément être d'accord avec, et n'hésitez pas à me dire si vous avez des solutions de substitution, etc. Encore une fois, l'idée, c'est le joueur qui n'a pas forcément un gros budget ou qui veut démarrer le compétitif, pouvoir aller jouer à sa boutique sans être obligé de dépenser une somme astronomique, eh bien il peut commencer avec ce genre de deck. C'est pas un gros investissement, 80 euros, même si je comprends, 80 euros c'est quand même une somme importante, hein, très clairement, je respecte totalement ça, mais pour Yugi, c'est très honnête d'avoir un deck complet pour 80 euros. Et voilà, l'idée, c'est de vous présenter quelque chose de jouable, d'optimiser également pour une somme qui est tout à fait correcte. J'espère que cette vidéo vous plaira. Si vous avez des améliorations, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, etc., ou simplement si le deck profile vous a plu ou vous a aidé ou vous allez le jouer, j'en sais rien, dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Et c'est parti pour ce deck profile. Ok, donc c'est parti, deck extra deck. Je présente d'abord évidemment le deck. On va commencer avec l'irremplaçable, la plus forte, la BG, etc. C'est la gazelle. Encore une fois, je vais faire plein de fleurs à Salamangrog. Sachez que je n'aime pas forcément le deck, mais il a le mérite d'être fort pour un deck budget. Puis pour un deck tout court, hein, très clairement, Salam c'est fort. Mais voilà, donc gazelle c'est fort parce qu'elle va se spé, elle va permettre de foolish, etc. Si elle est 1-1, c'est pas pour rien. On va jouer 3 Rouleboul. Alors Rouleboul, malheureusement, il est un petit peu cher parce que le playset coûte 15 euros. C'est une carte qui a un seul print, le deck de structure. Et forcément, vu qu'on joue x3, bah, il a forcément une petite valeur. Le truc cool avec Rouleboul, c'est que vu qu'on a récupéré Talomirage, cette carte-là, si elle quitte le terrain en tant que matériel Xyz, ça ne trigger pas son effet, elle ne sera pas bannie. Tu pourras refaire son effet par la suite. Donc c'est vraiment super fort. Et pour le green game, etc., c'est vraiment intéressant. Buffler des flammes, c'est la normale summon du deck. C'est vraiment ce que tu as envie de normal. Tu peux normal tout le reste quasiment, mais elle, c'est vraiment la plus forte. Elle, si elle quitte le terrain, tu défausses un cyber, si tu pioches 2, et tu peux la chainlink avec Bimings, donc c'est-à-dire que tu vas pouvoir protéger la chaîne qui t'intéresse le plus. On va jouer 3 renards. Alors, renard, c'est plus souvent joué à 2, on va pas se mentir, mais dans une version un peu plus budget, c'est intéressant. Ça reste une normal summon qui te permet de regarder les cartes au-dessus de ton deck. Ça reste une carte qui va te permettre de péter des magies, etc., donc c'est intéressant. Et encore une fois, bah, voilà, ça fait quand même un gros ratio de salam. On n'est pas dans un deck où on va permettre de jouer plein de free spots parce qu'on a toutes les tech cartes qu'il faut, donc on se permet d'avoir un petit peu plus de normal summon. On va jouer les deux Jacques Jaguar et le Falco. Je joue également une volaille. Alors volaille, c'est discutable, ça pourrait être deux Falco. Très honnêtement, deux Falco, je trouve ça pas très intéressant. Ça me fait surtout des accès, alors soit au package OTK, soit éventuellement au X64. On va jouer un Abyss Dweller dans cette version là, donc c'est intéressant de jouer volaille. Le Jacques Jaguar qui recycle beaucoup trop fort, le Falco qui recycle beaucoup trop fort, c'est des level 4, donc on pourra pas l'utiliser pour faire Étoile au Mirage, mais on peut l'utiliser pour faire rien qu'un Léo, même si on a pris une H sur le terrain, ou plein d'autres situations qui sont vraiment trop fortes. Et globalement, c'est tout pour nos salams, donc ça nous fait quand même un beau paquet de salams, puisqu'on en a 10.
Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors je dis salam, les buffers des flammes, chose que auquel j'oublie souvent, c'est pas un salam. Hein. Très clairement, c'est juste un Saviour's Feu qui devrait avoir salam en grand dans son nom, mais qui n'est pas un salam. Donc ça nous fait 3, 7, 8, 9, 10, 11. Ça nous fait 11 salams. Sachant que le lien 1 ne nécessite pas obligatoirement un salam en grande, mais plutôt un Saviour's Feu de max niveau 4. Un Saviour's de max niveau 4 tout court, donc c'est encore plus fort. Je vais jouer 2 Archiveurs des Mers. Archiveur de mer, elle est intéressante parce que elle va permettre, c'est un level 3, elle va permettre un accès très facile à, eh bien, tout simplement, étalon mirage. Et encore une fois, je rappelle qu'on joue justifié buffer des flammes. Normal, buffer des flammes utilise pour faire bailings, effet discard un archiveur, pioche 2, effet archiveur, tu vas pouvoir le respecter très facilement. Donc c'est vraiment très fort. Elle est suspect si un monstre invoqué normalement ou spécialement dans une zone pointée. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire facilement dans le deck. Et le fait d'en avoir 2, bah, c'est pas gênant. C'est une carte que tu as potentiellement envie d'avoir en main de départ. Et grosso modo, c'est tout pour l'engine de base au niveau des monstres. On va jouer des N-Trap, donc on a choisi les N-Trap budget. On va jouer 3 Veilers qui coûtent pas grand chose. Je crois que 3 Veilers, c'est quelque chose comme 1€ grosso modo. Je me suis fait une petite liste, en fait, tout simplement, juste ici, pour vraiment vous faire un budget le plus fiable possible. Vous voyez, 3 Veilers, juste ici, c'est 3€. Le package Gamma plus Driver, c'est 10€. Et le package Schoolmaster, c'est 1€. Donc ça nous fait un package de N-Trap qui est grosso modo à 15€. C'est peu cher. Les Veilers, ça pourrait être des Imperms, ça serait encore mieux. Mais encore une fois, Imperms, c'est 20€ pièce. On va jouer 3 Gamma et un Structure Psy. Alors, honnêtement, Gamma dans ça là, je sais que c'est pas forcément très optimisé, mais Gamma étant une des cartes les plus fortes du jeu, on peut éventuellement la jouer, sachant que ça ne fait qu'une seule brique dans le deck, et ça reste intéressant. 10€, encore une fois, c'est un budget, ça peut être remplacé par des cartes sûrement moins chères, mais l'idée c'était aussi de vous présenter un deck qui est fort, tu vois, pas forcément vous dire, ok, bah tu rajoutes, je sais pas, moi j'aurais pu jouer des plus gros ratios de certains Salas, mais ça aurait été moins fort, alors que là, Veiler Gamma c'est fort, et les Schoolmeister, ils ont été reprint en Kiko il y a pas longtemps, donc là c'est les Secrets malheureusement parce que je n'ai pas les Kiko, mais c'est un playset qui vaut 1€, c'est moins fort que Bell, mais ça reste tout aussi intéressant pour contrôler, en fait, tout simplement. Tu vas pouvoir annuler un effet de monstre qui s'active dans le cimetière, activer un effet de monstre sur le terrain et annuler, bannir un effet de monstre. Donc c'est vraiment super fort. Et c'est tout pour notre ratio de N-Trap. Je sais que ça a plus de free spot de base, mais là, encore une fois, on joue une version un peu plus budget et on a quand même 10 N-Trap dans un deck budget. Je trouve que c'est pas mal d'avoir réussi à rentrer 10 N-Trap dans un deck qui coûte 80€, très clairement. Le cercle à 1 parce que c'est trop fort, très clairement. Le sanctuaire à 1 parce qu'on n'a pas besoin d'en avoir plus. Et de Will qui est une carte qui va rebound tous les tours, c'est juste super fort. C'est des cartes qui valent rien, en fait, tout simplement, c'est des cartes qui valent 2 centimes pièce. Donc clairement, bah, c'est pour ça que Salam est fort, en fait, c'est que la plupart des cartes ne valent pas grand-chose. 3 Sinnet Minage, alors ça fait partie du budget quand même assez élevé, puisque 3 Sinnet Minage, je suis en train de regarder, c'est 30€. Encore une fois, c'est des cartes que vous pouvez éventuellement prendre en anglaise. On n'a pas eu de reprint de Sinnet Minage depuis un petit moment, peut-être qu'on en aura un bientôt, et ça qui fera encore baisser le prix. Et 3 Desire, c'est les cartes qui vont nous faire piocher dans un deck où on n'a pas forcément besoin d'extrêmement de cartes dans l'extra deck, dans le main deck. Une fois qu'on t'a enlevé ta gazelle et ton terrain, bah, les autres cartes, c'est pas grave, tu préfères en avoir 2 en main plutôt que les laisser dans ton deck. Ça, c'est un lot qui vaut 36€ à lui tout seul. Ce qui est quasiment la moitié du deck, mais c'est beaucoup trop fort de les avoir. Et encore une fois, l'idée c'est de vous présenter un deck qui est fort, pas forcément un deck qui est budget, même si on a respecté quand même la condition du budget, mais un deck qui est jouable et avec lequel tu vas pas te faire défoncer en décès. Et ensuite, les pièges x2, on pourrait les jouer x3 encore dans une souci de budget, puisque c'est des cartes qui valent 3 fois rien, 2 centimes pièce, mais très honnêtement, les jouer 3 fois, pour moi, c'est un peu du suicide, parce que t'as envie d'en avoir une en main de départ, les deux en main de départ, pourquoi pas, mais si tu te retrouves avec 2 rages, bah c'est pas ouf, en fait, clairement, et pareil avec 2 rugissements, en fait, donc honnêtement, 2 de chaque, c'est bien parce que t'as quand même pas mal de chances d'en avoir au moins une en main de départ, t'as pas mal de chances de pouvoir aller en foolish une avec gazelle, ou aller tout simplement en piocher une avec peau des désirs, mais sans overkill et avoir main full trap que tu pourras pas jouer, quoi, tout simplement. Et c'est tout pour le main deck, je vous le repasse rapidement. C'est un deck à 40 du coup, évidemment, avec les ratios les plus classiques, on va dire, quelques trucs un peu spicy, parce qu'éventuellement Renard peut être joué à 2, Volaille peut être cut, Archiveur des Mers ça peut être enlevé, ça peut, tu vois, déjà ça nous fait 3 ou 4 places pour rajouter des N-Trap. Le choix des N-Trap, bah, ça pourrait être des Veilers, ça pourrait être des Imperms, ça serait encore mieux, ça pourrait être des Bells, ça serait encore mieux, les Gamma ça pourrait être des H. Alors c'est vrai que j'ai pas parlé de la non-présence de H dans le deck. H est un feu qui tout simplement peut être recyclé dans le deck, donc c'est vraiment super fort. H pour moi fait partie de l'archétype Salamangrande, clairement, parce que c'est rare que tu vois un deck Salamangrande sans H. Maintenant, malheureusement, H c'est 20€ pièce, donc dans un deck à 80€, c'est impossible de les rentrer.
très clairement, les petits gammas, c'est uniquement parce que c'est une N-trap qui est très forte en Go 2 et que c'est une N-trap qui coûte pas si cher que ça. 10 euros le playset complet, c'est quand même vachement moins cher que 60 euros les 3 cartes. Donc, on a un package de 10 N-trap qui peuvent largement être remplacés. Ça peut être des Imperm, ça peut être des H, ça peut être tout ce que vous voulez, ça peut être des Bells, ça peut être des Schoolmaster également. Mais c'est pas forcément les meilleurs N-trap du jeu. Mais encore une fois, dans un deck budget comme celui que je vous présente, ça reste des N-trap qui sont totalement jouables, qui sont fortes et qui peuvent avoir vous permettre de jouer en fait tout simplement les cartes magie classiques, les Signet Minage qui coûtent malheureusement un petit peu cher, mais c'est vraiment trop fort dans le deck, les pots et puis après le package de trap. On va terminer avec l'extra deck tout simplement. Ratio extrêmement classique. Les trois Phalanx qui vont venir se recycler, qui vont aller chercher le terrain, qui vont permettre d'activer les pièges, etc. Les trois loups qui sont juste beaucoup trop forts. Loup est une carte qui coûte plus grand chose. Je crois qu'elle est même un print en commune, quelque chose comme ça. C'est pour ça aussi qu'encore une fois, le deck se prête à lui-même vis-à-vis de ses reprints à être un deck budget qui reste très fort. Mais du coup, voilà, trois loups, trois lynx, deux Chaleur Léo qui vraiment est très forte en elle-même, qui va permettre de passer un monstre à zéro, qui va permettre de gérer des magies, etc. Donc ça, c'est fort. Je vais jouer une Ita. Ita pour pouvoir éventuellement respecter une hache du cimetière de l'adversaire sur mon terrain et aller chercher potentiellement un monstre plus gros, qui va permettre également d'être un out à contact C. Donc c'est vrai que dans une version budget, on n'a pas forcément ce genre d'idée de deck build, mais tant qu'à faire, autant ne pas s'en priver. Un Mass Splash pour Reborn, un Cybers du cimetière, un brouilleur de mise à jour et un transcode pour aller chercher clairement les gros dommages. Un Zero Boros qui est fort mine de rien dans Salamangreon, faut pas le sous-estimer parce que tu vas pouvoir facilement respecter des cartes, bannir tout le terrain et continuer à taper bêtement et gagner comme ça. Et on termine avec le Lethal Mirage dont je vous parle depuis le début du deck qui va permettre de spé, etc. C'est spé une gazelle du deck, c'est juste beaucoup trop fort. Et un petit Abyss Dweller qui mine de rien embête pas mal de gens. À la place d'Abyss Dweller, ça peut être un Bagushka, mais Bagushka est à une dizaine d'euros pièce, donc évidemment ça ne rentre pas dans ce deck profile. Et voilà, franchement la place dans l'extra, les choses qui peuvent être changées dans l'extra, ça va simplement être éventuellement enlever Topo pour mettre un access code, et après globalement le reste, peut-être enlever un Mash Splash pour mettre autre chose, mais le reste, c'est vraiment des ratios extrêmement classiques de Salam qui sont encore une fois à l'avantage de ce deck profile, des cartes qui ne valent pas grand chose, puisque là dans l'extra deck, les seules cartes qui coûtent de l'argent, ça va être tout simplement les Baylinks qui coûtent 5 euros pièce. En fait, Baylinks, en gros, on va pas se mentir, mais les cartes les plus chères du deck, en fait, celles que vous devez prendre en anglaise si jamais vous aviez besoin de réduire le prix du deck, voilà, juste ça, on est à 30, donc on est juste là à 60 euros. Ça, c'est les cartes que vous pouvez éventuellement prendre en anglais. Il y en a d'autres évidemment qui coûtent un petit peu d'argent, il y a les Desire, etc. Mais si vous mettez ça en anglais, bah, vous descendez le deck déjà à une soixantaine d'euros, peut-être 70. Mais ça permet vraiment encore une fois de réduire le prix. Mais c'est vraiment les cartes qui vont être les plus chères dans le deck tout simplement. Et voilà, globalement, je vous ai présenté le deck. J'espère que vous pourrez faire vos meilleurs games avec. Et que peut-être que du coup ça vous permettra de mettre le pied un peu à Yugi. Vous allez voir, Yugi c'est un peu une drogue. Clairement, quand tu commences à jouer, tu vas te rendre compte que le compétitif c'est super cool. Et tu vas forcément envie d'avoir amélioré ce deck là. Sachant qu'on va sûrement avoir un reprint d'access code d'ici quelques temps. Donc ça permettra de rendre le deck encore moins cher et encore plus accessible et du coup encore plus fort. Donc voilà pour ce deck profile. Bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'essaie d'être le plus clair possible. J'essaie de vous apporter un maximum d'éléments, pourquoi certains choix, etc. Et pourquoi certaines entrapes. Je sais que la non-présence de H va en trigger beaucoup parce que H est une carte vraiment tellement puissante dans Salamangreon qui se recycle tous les tours. Donc clairement, avoir une hache en main tous les tours, même si ton board est nul, bah c'est fort en fait, tout simplement. Malheureusement, dans un budget de 80 euros, on ne peut pas la rentrer. Ça fait partie des cartes qui sont largement ajoutables. Peut-être que vous les avez déjà et en quel cas, vous pouvez simplement acheter les quelques cartes qui vous manquent et construire une version similaire. Pareil pour les Access Code. D'ici quelques mois, quelques semaines, normalement, on devrait avoir la MP21 qui va arriver avec normalement le reprint d'Access Code. Donc ça rendra le deck plus fort et encore une fois plus accessible. Je rappelle que Access Code, c'est une carte qui coûte environ 150 euros aujourd'hui. Donc je comprends que ça soit pas forcément, tu vois, ça explose largement le budget. Je comprends que ce soit pas forcément une carte accessible pour tout le monde. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, le pouce, l'abonnement, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et je vous embête pas plus, prenez soin de vous, faites de nombreux duels et collection de cartes. Surtout à bientôt les potes. Allez, ciao!